Et re tout le monde, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour, à mon avis, l'épisode ultime de comment monter un Zobal niveau 200 en solo. Donc notre petit cabriole est niveau 191. Il ne reste plus que techniquement que 9 niveaux à faire. On va pas changer de la bourgade, hein, parce que quand je vois l'XP que je prends ici, regardez là le 2 millions 2 avec un challenge en 1 minute. C'est juste exagéré. Surtout pour le moment, apparemment, il y aurait une XP x2. J'étais pas au courant. Mais apparemment, il y aurait XP x2. Donc tant mieux. Comme je suis maintenant moi seulement en XP x2 jusqu'au niveau 199. Et ça me permet d'XP un peu plus rapidement. Comme ça, je pourrais vous sortir la suite des épisodes. Et une fois qu'il sera au petit. Pourquoi pas faire enfin, des épisodes d'optimisation, des choses comme ça, histoire qu'on ait un Zobal qui vaille le coup. Je vais faire un petit combat avec vous. Quand ils sont plusieurs, et les rabougris sont tellement chiants au niveau des animations. Oh là là. Merde, j'ai oublié de faire le masque. C'est pas grave. Et voilà, il rebug comme à chaque fois. Ça c'est chiant par contre, les monstres qui bug. Ça fait perdre un temps bête. Et c'est tout le temps pareil, hein. C'est toujours les rabougris qui me font ça. Alors, Martello, je vais me mettre au cac des autres. Voilà. Une petite cabriole. Sors pas sans masse de classe. Boum boum. Et on fera le plastron après. Quand il y en a qui va tourner, qui va sonner les autres. Ça m'énerve ça. Tu veux pas me soigner moi? Ouais non, les rabougris, c'est vraiment chiant quoi. Mais ça XP bien, donc au final, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je testais un peu le cac, j'ai jamais utilisé. Ouais, ça va. C'est pas trop mal. Vu les stats en eau que j'ai, je crois que je dois avoir 120 avec la puissance et tout. Ouais, là, c'est même plus intéressant de taper que de faire le plastron en fait, parce qu'il tape pas grand chose. Elle peut qu'il me tape, je me régène donc. Allez, boum. Boum, boum. Faudrait que celui-là vienne à mon cas, histoire que. Ils arrêtent de se barrer tout le temps. Allez, viens, viens me taper. Voilà, c'est parfait. Boum boum. Là, on se protège comme ça on finit full life. Et voilà. 1 600 000 en 3 minutes à cause des bugs et des rabougris qui sont un peu chiants. Enfin, c'est vraiment énorme que l'XP ici. Même si on n'en fait que deux, enfin. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible. On se met là. Créature, prêt. Go. Attends, ouais, en plus, on va faire le tchal, ça c'est bon. Mais viens, mon cactus, s'il te plaît. Voilà, parfait. Je peux pas aller plus vite, hein, le reste est les mobs. Allez, vite! Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, 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 allez. Ça devrait être bon. 34 secondes, 2 millions 2. Ça c'est pas mal.
Là, on peut dire que c'est XP, bien franchement. Même mon record, c'est 4 millions 8, mais sur un groupe de 4 chachas. Mais il y avait des étoiles. Et j'étais encore en XP x 3. Bah, les chachas, franchement, c'est les mieux. Merde. J'aurais dû faire ça. Peut-être faire le tour. C'était peut-être pas très malin de ma part. Bon, on va faire le tchal. C'est excellent sur les chachas, les pauvres, ce qu'ils prennent, quoi. Allez, du 500 dans la gueule. Bon ben voilà, le tchal réussit. Faudrait que l'autre vienne maintenant. En fait, les chachas, ils font un peu pareil. Comme ils ont une attaque à distance, ils font chier parce qu'ils vont tout le temps faire celle à distance. Et ils ont pas assez de PM pour revenir après. En fait. C'est un peu casse-couille. Mais bon. De temps en temps, ils arrivent à revenir. On sait pas comment. Il y a des PM supplémentaires, hop, qui repopent comme ça, on sait pas trop. Ah non, ce SPV, t'es sérieux. Allez, boum. 1 million 8, voilà, 1 minute 16. Oh, c'est pas mal. Bon, bah, je vais faire une ellipse encore une fois, jusque. Je pense. Ouais, je vais essayer d'XP le plus rapidement possible. Si quelque chose me vient par la tête entre temps, bah, je vous reprendrai. Donc, je vais essayer de continuer, de monter un maximum pour profiter du week-end. Mais en fait, je suis pas sûr parce que normalement, il l'aurait affiché qu'il y avait un week-end double XP, enfin, soit. Je vais essayer de me renseigner et de vous dire quoi. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, c'est toujours Capi. Bon, on se retrouve 2 jours après ben, le début de cet épisode, donc l'épisode 10, de comment monter un Zoban niveau 200, un petit cabriole et 195. Je viens d'y repenser. En fait, j'étais en train de regarder vos commentaires en même temps de faire des combats. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a conseillé d'acheter un anneau MG Rogue. J'avais complètement oublié que je pouvais mettre cet anneau qui donne vraiment des stats juste épiques. Plein 40 de puissance, 40 de sassa, 250 de vita, des CC, des dommages. Bon, j'ai pas pris le meilleur jet, mais il m'a pas coûté très cher, donc je l'ai pris. Et ben, on se rapproche du 199, mode de rien. Et ben, comme ça, je pourrais rentrer le gel anneau à carte à jouer. Comme ça, ben, je pourrais continuer de faire des petits colisums pour faire des vidéos. Ben, à part ça, ben, je continue d'XP toujours à la bourgade, ça va toujours vite. Et ben voilà quoi, on avance. Bon, allez, je vais faire un petit combat avec vous. Et puis après, je devrais y aller parce que j'ai école. Une petite technique là comme ça quand je dois utiliser Versatile. Vous allez voir ça, c'est sympa. C'est Martello, masse du psychopathe. Et on y va à la furia. Surtout sur les chachas, ça fait super mal. Pourtant, on a seulement un peu moins de 500 de force. Et ah ouais, 300 de puissance. Ah ouais, quand même. Je pensais pas qu'on avait autant. On va faire une furia sur lui, on repasse en masse de classe. Et hop là. Voilà, on se refait un plastron et puis on est reparti pour la même chose. Voilà, masse du psychopathe. Une petite furia. Et il commence à faire des dégâts, n'empêche, hein, le petit zozo. Merde, le tchal, quel con! J'ai vu tellement des gros chiffres que j'ai continué comme un bourrin, j'ai pas pensé. Ah merde.
Bon, allez, pour ça, je vais en refaire. Allez, dégélis, quoi. Bon, encore une fois, les Krabby Jacob, je vous les conseille pas, mais. C'est faisable, quoi. C'est pas impossible non plus. Hein. Ouais, on va aller à la fougue. J'aurais peut-être dû mascarade avant. Ouais. Bon, en tout cas, je me rapproche de plus en plus du niveau 199. Et là, ça va être l'ultime. Bah, l'ultime up, quoi. Enfin, pas l'ultime, mais l'avant-dernier up de toute l'histoire du Zobal. Donc faudra que je fasse ça, mais à mon avis je ferai ça à mon aise, hein. Je farmerai plus pour le moment, comme pour le moment. Parce que voilà, je passe quand même pas mal d'heures sur le jeu pour le moment. Bon, vous allez me dire je rentabilise l'abonnement, mais c'est vrai que bah, je passe quand même pas mal d'heures dessus. Et bah, j'ai recommencé à jouer un peu à d'autres jeux. Et je montrais le Zobal. Au fur et à mesure, je ferai peut-être des lives où je fais genre 1 heure et je farm les coupes. Voilà, comme ça on a réussi le tchal. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Moi je vais filer à l'école parce que je commence à 17h30 et il est un peu moins de 4h. Donc le temps de prendre, enfin d'y aller et tout ça, bah, ce sera bon. Ben, je vous dis à très bientôt les amis. Je vous remercie de me suivre toujours pendant cet épisode-ci. Ben, j'espère que la prochaine fois que je reprendrai, ben, je serai niveau 199. Ou à mon avis, je prendrai au 198 et je ferai le up 199 avec vous. Et puis comme ça, ben, ce sera la dernière ligne droite. Donc voilà. Ben, je vous dis à tout de suite. Ce sera après l'ellipse. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, c'est toujours Capi, on se retrouve pour le up 199 du petit cabriole. Donc comme vous pouvez le voir, on est assez loin, il me reste plus que 2 millions 8, voilà, à faire. Donc, je me suis dit que j'allais faire les derniers petits combats avec vous, je viens d'aller rechercher du... J'allais dire du pain, mais non, mais des poissons pour la dragodinte. Non, trop gros... À mon avis, en 2-3 combats, ça devrait être torché. Voilà le premier. Allez hop. On est parti. On va faire le tchal. Donc en plus, ça va être les derniers combats, on aura une XP multipliée. Parce que bah, à partir du niveau 199, ben je serai... En XP fois 1, puisque le sacrieur qui est sur le même compte est au 699, donc voilà, on n'aura plus d'XP multiplié, donc comme ça les gens arrêteront de râler parce que je plus rapidement que tout ça, enfin. Voilà la petite challe qui est faite. Donc ouais, franchement le Zobal il est juste épique quoi, ce perso je l'adore vraiment. En plus là il va dépasser le niveau de mon roublard. Qui est beaucoup plus vieux que le Zobal en plus. Ouais, j'étais en train de réfléchir si je voulais. C'était peut-être pas mieux que je passe en psychopathe, mais non. Je vais attendre le plastron. Voilà. Là, on va lui péter sa gueule. Allez, boum. Bon, 1 million 1. Plus que 1 million 6, donc en 2 combats ça devrait être bon. Bah là il y a encore un beau petit combat.
Alors, tueur à gage. On va le jouer au plastron. Ce sera facile comme ça. Et on va jouer à la furia puisque je sais que vous aimez ça. Allez, on va se mettre le petit masque de psychopathe. Boum boum. Oh, c'est tellement épique quoi les dégâts qu'on met. Oh là là. Il avait 1500 vita, il est à 500. Un tour, à l'aise. Ah là là, il est trop puissant ce balle. Beaucoup trop puissant. Allez, on fonce au cac. Voilà, il vient près de moi, c'est cool. Boum boum. Oh le CC. Et voilà, et puis après on finit avec des furias. Boum boum. Oh, il reste 30, 30 PV. Allez, et c'est parti pour le up ultime. Enfin, pas ultime, mais on va faire ça sur des gélicans. Allez, soyons fous. Ce qu'on va même faire. Bon, on va faire le tchal. Alors, on va se mettre masse de classe. Plastron. Je vais dire appui, mais non, on va attendre qu'il vienne à notre cac. Voilà, on va devoir le jouer à la Furia, encore une fois. Oh non, je vais la jouer à la Boliche, pour changer un petit peu. Boum. Donc si je mets en masque le Dupleur. Devrait pouvoir bouger. Voilà. J'ai jamais utilisé en fait ce masque. Enfin, c'est pas que j'ai jamais utilisé, j'ai déjà utilisé, mais à la bourgade, j'ai jamais utilisé. Donc, je connais pas trop les PO et tout ça. Bon, on va essayer de le péter quand même un jour parce que sinon ça a duré 3 ans. Voilà. Maintenant on peut repasser en masse de classe et hop, on y va au martello. Voilà, les vita qui baissent. On sent le niveau 129. Hein. Je sais pas si vous le sentez. Moi, je le sens bien. Et voilà, c'est parti. Ta-la-la-la. Ta-la-la-la. Et voilà, le petit cabriole niveau 199. Par contre, maintenant, ça me fait peur. Oh là là, l'XP qu'il faut. 3 milliards 7. Ok. Je crois que c'est faisable en une semaine. Franchement. Et en plus, je vous avais pas montré, mais regardez ce que j'ai retrouvé à la banque. Pack d'orbre reconstituante. Voilà, on a un petit droppé un petit peu de parchemin. Et bon, niveau drop, je vais me vider à la banque de temps en temps, mais c'est pas énorme. Puisque comme on est en solo, on drop beaucoup moins. Mais c'est quand même pas mal. Hein.
truc, c'est que je monterais bien Bolish. Parce que j'ai imaginé un petit stuff pour le petit Zobal. Et bah, il pourrait jouer terre. Mais il aurait quand même pas mal de dégâts de poussée, donc il pourrait jouer à la boliche. Donc ce serait plutôt cool. Et alors comme ça, ben... Tortoruga, limite, je peux le baisser. Jusqu'au niveau... Ouais, ben au niveau 1, ce sera bon. Et comme ça, je peux monter la boliche. J'ai déjà à la mettre niveau 5. Alors comme ça, au niveau, enfin, je l'enlève. Et comme ça, je monte la boliche niveau 6. Et je garde assez de points pour monter mascarade niveau 6. Et après, j'essaierai de monter trans. Et puis après, à mon avis, ce sera des pare-shot sort le reste. Parce que je pense que le Zobal va devenir un de mes persos principaux. Voire le principal, en fait, je sais pas encore. Parce que j'aime vraiment bien ce perso et bah, j'aimerais bien faire quelque chose de cool avec quoi. Je vous parlerai un petit peu des stuff que j'ai imaginé dans une prochaine vidéo hein, qui sera pas. Enfin, qui aura rien à voir avec comment monter un Zobal niveau 200 en solo. Et donc voilà. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai le petit sablier qui est là depuis tout à l'heure. C'est assez chiant. Enfin, ça me dérange pas, mais. Il tourne comme ça depuis tout à l'heure comme si on était en train de bugger alors que je bug pas du tout. Enfin, vous voyez bien c'est réactif et tout. Enfin soit. Et ben la partie numéro 10 va se clôturer ici. Maintenant ben, en route pour le niveau 200 donc ce sera sur une partie 11. Ben, j'espère faire ça le plus rapidement possible. Et ben, atteindre le niveau 200 et comme ça on pourra la fermer à tous les petits rageux qui ont dit que le Zobal ne le serait jamais. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous appréciez toujours autant la série. À part ça, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire, enfin si, merci d'avoir regardé la vidéo. Et donc voilà, salut à tous les amis, ciao ciao.